Hello, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on voyage. Donc on s'en va pour Dubaï et ensuite je vais finir tous mes bagages. Mais bon, je vous dis à demain parce que là déjà je suis KO. Bye. On vient d'arriver à la gare, à l'aéroport. Du coup, moi, je suis avec Naïl et Maïssa, Bella, et Simon, il partira du coup avec Kaïs. Allez, on y va. Allez. Hello, Naïl, say hello. Hello. Bref, du coup, là, on est posé à l'aéroport, on attend un Naïl. Oui. Et du coup, je leur ai pris quelques trucs parce qu'ils avaient grave soin du cœur. Maman, dès qu'il vient, on va courir. Monsieur maman, pour ça et ça et ça. De rien. Hello. Du coup, ça y est, on s'est installé dans l'avion. Ça fait trop du bien là, il y a de l'air, oh my god, il fait chaud. Dehors, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. Et prêt pour le décollage. Non, Naïl, tiens-toi bébé. La team, du coup, là, on s'est posé en attendant du coup, mamie d'amour, maman qui va nous rejoindre. J'ai trop hâte, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Et je suis trop contente de lui offrir ce voyage et tout. En gros, je vous explique. Franchement, là, j'ai grave bossé. Je voulais tellement, genre, Simon, à chaque fois, c'est lui qui nous paye les vacances, qui nous offre et tout. Et du coup, là, ben, j'ai voulu offrir ça aux enfants et également à ma mère parce que c'était son rêve d'aller à Dubaï. Donc j'ai envie de la faire kiffer, j'espère qu'elle va kiffer ses vacances. Et voilà quoi, Naïl, qu'est-ce que tu fais? Et donc là je suis avec mes loulous. Et on attend ma maman d'amour. Maman d'amour, mamie d'amour. Allô? Oh, tu m'avais pas reconnu. C'est la galère. Mais comment ça c'est qu'on n'arrive pas à s'appeler? Mais parce que j'arrive à appeler normal, mais il faut que j'arrête tout de suite, ça va payer. Ça va? Ça va et toi? Attends un peu. Mamie. Doucement. Bon, du coup, là, je suis avec maman. On attend de pouvoir s'enregistrer. Mais vu que le vol, il est à 22h45. Il est quelle heure, là? Il est 17h. Je pense que vers 18h, peut-être. C'est turquoise? Non, c'est... Emirates. Bref, je vous dis à tout temps. Hein. S'endors, bichette. Maman, t'es KO, bichette. Oh, ma pauvre. Non, elle dort. S'endorme. C'est ça, c'est... Mais tu ressembles trop à mamie, hein. Mets-toi à côté d'elle. Regardez ma maman, elle est trop chou. Regardez Bella, Fatou, Mariama, Tierno, Marley, Bilkis. Maman, elle m'a offert un cadeau. Non mais je suis trop contente, maman. T'es trop chou. Ah bah, oh là là. Mais t'es trop chou, mais c'est pas maintenant mon anniversaire, maman. En plus, tu sais que je n'ai plus le mien là. Oh. Oh. Je t'aime, maman. Je vais pleurer. Voilà que j'ai pleuré. Et maman, tu m'as jamais fait un cadeau comme ça. C'est bon. Voilà, tu m'as jamais fait. T'as acheté déjà des colliers au fil, mais pas à moi. Ah, là, je le mettrai pas toujours. Je te vois tout le temps avec des colliers. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Tu peux me le mettre? Oui, par contre, tu peux pas dans le monde. Eh, mais comment on fait? Mais Isabella, il sait pas. Regardez mon collier. Mais il est trop beau, tu sais qu'en plus là je l'ai pas le mien là. Tu l'as perdu? En fait il est chez la cousine à Simon. Tu l'as oublié là-bas? Mais Isabella, regarde ce qu'elle m'a offert ma mère. T'es jalouse hein? Je t'aime. Oh maman, mon amour. Moi aussi je t'aime maman. Maman aussi je t'aime. Mais Isabella elle est jalouse. Mais Isabella... Oh, et franchement, je suis trop touchée. Waouh. Alors là, je vais le garder. Oh my god. Ma mère qui m'a fait un cadeau. Je demande la semaine. Merci maman. Oh, je suis trop contente. Elle est malade ou pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est malade ou pas?
Eh, franchement, les filles, vous savez même pas à quel point je suis touchée. Genre, j'ai trop envie de pleurer. Ma mère, en fait, elle aime bien, vous savez, nous faire des cadeaux, genre des tenues africaines, des trucs comme ça. Mais ce genre de cadeau, genre sentimental. Et en plus, là, il y a écrit « Je t'aime ». Oh my God, elle est trop mignonne. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, ne lui achète plus rien. Non, non, ça suffit. Elle a de l'eau dans son sac. Plus de boisson. Non, non. Stop. Maman, non. Maman. Oh. Elle commence ces trucs de mamie, là. C'est pas possible. Mais, je suis trop touchée. Ah, faut que j'appelle Simon. Attendez. J'appelle Simon. Bon. Je vais aller voir si on peut enfin s'enregistrer. Inch'Allah, c'est bon. Parce que franchement, là... En fait, de l'autre côté, c'est grave mieux. Tu peux bien te poser tranquillement. Alors qu'ici, c'est juste... Bah vous voyez, c'est genre quand tu passes là pour tes bagages et tout. Mais par contre, on a remarqué avec ma mère, c'est trop bizarre. Mais l'aéroport, il est grave vide, genre. Alors que d'habitude, l'aéroport, il est blindé. C'est trop chelou. On peut enfin s'enregistrer, je suis trop contente. Du coup, M41, M44. M41, M44. Trop contente. Allez, enfin. M41, M44. Allez, go s'enregistrer. Inch'Allah, tout va bien se passer. Parce que nous, là, avec la poisse qu'on a, là, M41, M44. Let's go. En plus, on est juste là, genre. On s'est posé là par hasard. On est allé tout au bout pour prier. C'est juste là. Non, franchement, attendez. Elle va être trop contente, là. Maman, devine quoi? Non, annulé. Non. Maman, il y a deux nouvelles. Maman, la bonne et la mauvaise. Attends. Alors, c'est bon, ça a affiché. Et en plus, c'est juste là. C'est trop bien. M41, M44, c'est juste là. On a un geste, voilà. Allez, on va, go. Bon, là, du coup, on s'est enregistré. Et franchement, ça s'est trop bien passé. Genre, normalement, c'est 20 kilos. Moi, ma valise, ça faisait combien, maman? 26. Et déjà, quand je suis arrivée, genre, la fille, elle a dit, t'es trop belle. Genre, elle m'a dit que j'étais trop belle, trop gentille. Et après ça, genre, quand ça faisait 26 kilos, moi, je savais pas. Moi, je pensais qu'elle faisait 21. Je me suis dit, oh purée, je suis dans la merde. Parce que le kilo, c'est 15 kilos. Et elle a rien dit. Et après, on a dit, ma mère, elle voulait mettre son bagage à main en soute. Au début, elle a dit, non, c'est pas possible parce qu'on a dépassé les kilos. Après, elle m'a dit, attends, mets ton bagage. J'ai mis le mien. Il faisait combien aussi, le bagage? Il faisait 11 kilos alors que c'est 7 kilos. Et ben pareil, elle a dit, ok, elle a tout mis moi en soute. Moi, j'ai 7 kilos. Elle avait 7 kilos. Moi, j'avais 11. Et elle a tout mis en soute et on n'a rien payé en plus. Tout ça parce qu'elle m'a trouvé bien des fois. Oh là là, oh my God. Mais maman, elle était trop gentille. Tu sais que des fois, tu tombes sur des gens, ils auraient dit, tu payes. Il y en a qui sont très méchants. Trop contente, du coup. Mais par contre, là, du coup, j'ai dû enlever mon ordinateur. Comment on fait? Mais ça, c'est pas grave. Je cherche un petit sac là. Je vais à Gucci vite fait. Re la team. Alors, comment vous dire que là, à un moment, on a tellement galéré. J'ai pas filmé parce que. Avant, c'était la belle vie. Mais... En fait, j'ai eu trop. Tu sais que j'ai eu trop peur. Hein. Je faisais que de prier. En fait, vu que j'ai pas de carte de résident, en fait, j'ai la feuille comme quoi on a fait la demande. Sauf que d'habitude, ils me font aller vers la police, ils me remplissent un document et voilà. Sauf que là, ça a mis plus de temps. Je sais pas, le gars me parlait turc, je lui disais que je comprenais pas. Après, au final, il m'a dit que je dois payer. Donc j'ai dû payer à peu près l'équivalent de 600 euros. S'il vous plaît, maman, c'est pas n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Genre, on a fait la demande, on vit en Turquie. On n'a toujours pas, ça fait quoi, presque un an, toujours rien. Waouh, c'est beau ici. Bon, on y va. Et bref, du coup, j'ai dû payer 600 euros, on a galéré. Heureusement, le vol, il a 40 minutes de retard. Donc voilà, là, c'est bon. Mais franchement, ça saoule. Bref, là, du coup, on a tout passé. On est tranquille, on a galéré et aussi pour retirer l'argent et tout. Bref. Mais parce que je voulais voir un peu les magasins, maman. Non, moi, je veux pas voir. Moi, j'ai fait. Regardez comme c'est beau. Bien arrivé à Dubaï, on a récupéré nos affaires. Sinon, à part ça, le vol il s'est super bien passé. On a bien dormi, franchement, c'est trop bien. Par contre, MDR, regarde un film payant, manger payant. Après, je crois qu'ils ont amené des trucs gratuits, mais ça m'a trop fait rire. Genre, j'ai voulu regarder un truc, genre, juste histoire d'avoir un écran. Je vois, c'était payant, je me suis dit, mais MDR. Mais sinon, franchement, bien dormi et tout.
Non, voilà, voilà, là il est 6h du matin. Les loulous, ça va, ils ont pas l'air KO, ils ont dormi tout le voyage. Non, vas-y, vas-y. Bien arrivée à l'hôtel, j'ai fait le check-in, je suis trop contente parce que la chambre elle est prête. Normalement c'est que à 15h. Et là du coup il est quelle heure maman? 7h? Non je peux pas voir. Il est à peu près 7h du matin et du coup la chambre elle est ready, donc on peut aller dans la chambre, c'est trop cool, on va pouvoir se reposer et tout. Let's go, j'ai trop hâte de la découvrir. Alors, maman, tes premières impressions? C'est la classe! Hein? C'est la classe! T'es contente? La classe! Moi, je dors, je regarde la mer. Vu sur... Là, tu vas te lever le matin, vu sur la mer. Ouais. Comme à Istanbul, hein? Ouais. Mais voilà, là, de plus près encore. Non, mais ça n'a rien à voir avec Istanbul quand même. Ouais, si, c'est beau quand même, Istanbul. T'as vu, c'était ton rêve, t'es contente? En tout cas, là. Ah toi, je partage plus. On est à Dubaï. On est à Dubaï. Eh les filles, un délire, maman. C'est pas un délire? Franchement, j'ai rarement vu un buffet comme ça. Je suis choquée, un buffet de fou. Donc voilà, on va manger. Bon appétit. Bon, on a super bien mangé, hein, maman. Là, j'ai mangé là. Eh, on a trop. Je veux dormir. Ah, mais grave. Franchement, là, on est je vraiment. Je laisse avec ce gosse, je ferme ma non, mais ils vont dormir. T'as pas même eux, ils m'ont dit. Si eux, ils m'ont dit qu'ils étaient fatigués, c'est que vraiment, ils sont KO. Là, on va aller dormir parce qu'on est KO. Hi. Eux, tout le monde, du coup, on a super bien dormi. J'ai galéré à les réveiller. Là, il est quelle heure? Il va être 15h. 15h. Donc, on va manger un petit truc. On va profiter de la piscine. Oui. Yeah. Devant la palme Jumeirah. Et Naïl Fallet. Wow. Ah là là. Ils sont trop mignons. Du coup, Simon, ça y est, ils ont embarqué. Donc, ils arrivent à 19h. Du coup, nous, on va profiter un petit peu en attendant qu'ils viennent. Là, on va aller à la piscine de l'hôtel. Ah bah, il y a même un petit truc pour les enfants, ouais. On va aller à la piscine de l'hôtel et demain on ira au parc aquatique avec Simon. C'est mieux qu'on atteigne Simon parce que déjà elle est deck de ne pas être avec nous. Regardez ma maman comment on elle est canon. On va aller au parc? Hein? Au parc des enfants? Là d'abord on va là parce qu'on va manger ici. Non, oui. Il y a à manger. T'as payé pour midi, je crois. Non, mais non, j'ai pas payé pour midi et tout, mais on peut demander.
Et franchement, on s'éclate, c'est trop cool. Ça fait tellement du bien. J'arrive, Maïssa. Là, je vais nous chercher un petit truc à manger. Parce que du coup, on n'a pas mangé à midi. Allez, petit cocktail avec maman. Là, tiens. Attends, on va toutes les deux. T'as plus faim. Passionnant. Bon. Trop bon. Regarde, on peut leur donner. J'adore, je vais leur donner quand même. Doucement, bébé. Tu veux goûter, bébé? Oui. Tiens. Naïl. Naïl. Naïl où? Naïl. Naïl. T'appelles? Tu me réponds, c'est clair ou pas? Parce que tu me fais peur, tu vas sur le bord, tu peux tomber dans l'eau, d'accord? Naïl. Naïl, je te parle. Mais je te parle? Oui. Mais il est fou, hein? Lui, il m'écoute pas quand je lui parle. Tu m'entends ou pas là? Oui. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Oui. Viens manger. Ça suffit, mange un peu des frites là. Mais les frites. La prochaine fois quand on te dit ça, on m'entend. Naïl, regarde-moi. Naïl, la prochaine fois que je t'appelle et que tu réponds pas, on monte. C'est clair? C'est clair. Relatime, du coup on s'est préparé, regardez comment on s'est fait belle, regardez ma maman comment elle est belle, t'es trop belle hein. Elle est trop belle, on va aller accueillir Simon et Calice là, ils arrivent, je sais même pas s'ils sont déjà en bas. Maman, on a l'ascenseur stylé. Ouais. Parce qu'il est trop rapide ici. Il est là. Il a tapé. Y'a Calice! Coucou maman! Naïl, t'as pas de blague à la Calice? Tu connais Naïl hein, comme d'hab, il boot. Et y'a Mamie! Tu fais un câlin à Mamie? Mamie! Ça va? Comme d'hab, il boot. Ah, t'es pas content de nous, non? Pousse-toi là. Bon, avec toi. Ça va? Ça, c'est. Ça va? Ça va et toi? On est arrivé tout juste, t'as vu? Ça va? Ouais, je me sens trop sale. Tu vois les poussins? Mais je rigolais, on vous attend. On n'a pas pour longtemps. Bah, il vient nous montrer. J'ai retrouvé mon petit bébé. Tu m'as manqué, hein? J'ai l'impression que ça fait grand longtemps qu'on s'est pas vu. Non, c'est pareil. Bon, là, vous êtes belle, hein? Ça, c'est une robe de truc. Sinon, c'est Bella qui lui a donné. Voilà que c'est beau. Voilà, regardez-le, on dirait un enfant. Allez, avancez. Ouais, je suis obligé, je t'attends, moi. Bienvenue chez nous. Assalamu alaikum. Les chaussures. Avec ça, petit champagne. Et là, Caïs, regarde la terrasse, s'il te plaît. Je sais pas qu'est-ce que vous me racontez. Papa, regarde. Tu sais, c'est vu sur quoi? Sur le parc aquatique. T'as dit merci à maman d'y avoir monté. MDR, tellement il fait chaud, tes mains, ça fait de la buée. Oui, ça fait de la buée. Maman, merci. Du coup, Caïs et Simon, ils sont en train de se doucher. Et nous, on a découvert. Il y avait des chocolats. On mange ensemble. Attends, moi je veux une fille. Pas goûter. C'est pas tout pour toi. Ouais. Tu peux me donner une bouteille d'eau, frigo? Une bouteille d'eau, frigo. En tout cas, trop contente d'avoir retrouvé Simon et Kaï. J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis. De l'eau, il est où? Dans le frigo. L'hôtel, il est où? Oh Naïl, t'es chiant. Ben toi, t'en en veux? Oui, je le veux. Je veux. On partage. Je croque, après tu croques. C'est bon. Ça suffit, Naïl, non? Tiens, c'est un secret. Dans ton lit. Non, t'inquiète. Il faut pas toucher, on met là. À tout. Voilà, Caïs, il a fait la douche. Regardez, Caïs, comment il est beau gosse. Ouais, vous avez les mêmes t-shirts. Oui. Et mais ça dégage, elle est en orange. Moi j'ai pas orange. Et maman aussi elle est en orange. Mais ça c'est du orange hein. Je sais. Ça c'est rouge maman.
C'est du orange cake, c'est pas du rouge. Oh, ok, je suis bête alors. Peut-être c'est un peu de la... Wow, regardez comment elle est belle, ma maman, d'amour. Ta maman, elle... t'as pas vu beaucoup d'oranges? Ben, là, j'en ai pas mis, j'en ai, mais je les chercherai demain. Ça va? Oh, parce que si je mets les œufs, tu sais. Mais t'as changé les fleurs, t'avais mieux mis avant. Oui, mais j'arrive pas, tu sais, il est parti. Attends, je t'inquiète, tu sais, un enfant, c'est vite fait. En fait, lui, il n'arrive pas encore, mais il va aller au fond. Bon appétit tout le monde. Merci. Simon, qu'est-ce qui est jaune et qui a de sang? Jonathan. Et il me rend ouf avec ça aujourd'hui. Ouais. Alors? On n'est pas bien là. Et demain quand tu vas te lever avec la vue, mon lapin. Alors là, il va comment? Avec la vue et tout. Bon les filles, on a mangé au Vapiano. Waouh, j'ai mangé un truc de malin. Eh bébé, cette salle de bain, oh my god. Oh my god, elle est trop bien. Elle est pas trop belle ma tenue, elle vient du Sénégal. Ouais. Je vous mettrai le nom. Bah si bébé, c'est du Sénégal. Pourquoi j'ai menti? T'as mangé comment ça? Tais-toi. Ouais. C'est trop méchant. Allez. Bon, bébé, tu veux que je t'aide à faire ta valise? Non, ok, d'accord. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors, on est en train de... On est en train de discuter des blagues. Ok. Mais bah, je vous laisse entre frères et sœurs alors. Bon, merci. Mais c'est elle aussi, elle aussi, va jouer avec nous. Ok, bye. 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 J'ai failli me tuer. Hello, c'est parti pour un nouveau jour à Dubaï. Donc là, on va faire le petit déjeuner. Il fait super beau, comme d'habitude. Aujourd'hui, et du coup, là... Oui, bébé. Maman, aujourd'hui, tu vas filmer le buffet. Ouh là là, bon. Je vous filme le buffet aujourd'hui. À toutes. Tout le monde. Amina. Amina. C'est Naya. Amina, tout c'est Pascalina. Soumao, Soumao, Azoto. Pour le petit déjeuner du Jumeirah Beach, donc c'est un buffet à volonté. Comment vous dire qu'il y a vraiment de tout? Donc là, malheureusement, nous, on est arrivé à la fin. Donc ça a commencé à se vider. Mais franchement, ça commence très tôt. Je crois que ça commence à 7h du matin. Et vous pouvez déjeuner jusqu'à 11h ou 10h30, je ne sais plus exactement. Mais franchement, vous avez de tout, du sucré, du salé, des croissants. Enfin, vous avez vraiment plein de trucs. Ils peuvent vous faire des crêpes, des gaufres. Vous avez même, comme vous voyez, des plats comme des nouilles. Vous avez du riz, des sushis, des toasts avec des œufs bénédicts et tout. Franchement, c'est vraiment le meilleur petit déjeuner que j'ai fait dans un hôtel pendant les vacances. Donc franchement, si vous venez au Jumeirah Beach, vous allez, on va changer pour aller à la playa. On va se pousser les dents. Relative. Et maman, t'as pas vu, on a le même maillot? Ah, t'as triché là. Du coup, on sait pas. Oh my god, il fait trop chaud. Mais ça, ça va? On va du coup à la plage avec les Lilies. Il fait tellement chaud. Je crois qu'il fait 37 degrés. Oh, je suis mort. Maman, c'est poussé la fois des temps. Ouais. Là, on va bien bronzer. On va prendre le buggy. Là, tu vas dans l'eau, celle-ci? Bah oui. Dis-nous, vous allez dans l'eau? Oui. Bah oui, tu peux aller dessus. Bon, moi j'y vais. Mamie, ça va aller, c'est facile. Arrête de me dire que c'est facile. Hein. Toi, tu grattes tout le temps ton truc là. On dirait que c'est bien, c'est facile. On a commencé. Ah non, mamie, elle est fatiguée. Maman, tu fais pas, je vais t'en acheter après, on va aller. Maman, c'est bien, Caïs, bravo!
aller nager? Bon, du coup, Naïl, en fait, il a grave mal aux yeux. Je pense hier, il a trop ouvert ses yeux dans l'eau. Je pense que je vais aller acheter des gouttes là pour après. Hein, Naïl? Du coup, Naïl, il veut plus aller à la mer. Tu vas aller dans la piscine? Non? Tu es trop posé? Ok, ben repose-toi alors, mon cœur. Et maman aussi, elle a peur de l'eau. Ah, maman. Je vais pas donner aussi de l'eau. Si. Sorry? It's possible, water? Et maman, c'est, tu préfères la piscine, c'est ça? La piscine, je m'assois aussi, donc moi je ne suis pas trop mère. J'ai peur de me noyer. Mais s'il y a quelqu'un pour te rattraper, ok. On n'a pas tant que. Naïl? 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 Oui. Je t'aime. Regarde-moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Allô tout le monde, du coup on s'est préparé en mode rapide parce que on a une activité là cet après-midi et waouh, on était trop dans le speed. Mais bon, au final on a réussi à tous se préparer, on est arrivé un tout petit peu en retard. Mais là du coup on est avec le chauffeur, direction l'activité. Simon il est devant, là il y a maman, elle est toute belle comme d'hab. T'es fatiguée? Mais dors un peu, non? Elle fait son weird, comme là, il y a les enfants, ils se sont endormis. On est parti à combien de temps, 10 minutes? MDR. C'est parti, on est arrivé, tu es dans le désert. Avec maman et Simon avec les enfants. Go. Vous vous moquez de votre maman? Allah, y'a rien. Encore là, bismillah, les amis. Allah, Allah. Mamie, t'es mort, mamie. Heureusement que vous voyez pas. Re tout le monde. Là, du coup, on va manger. On est arrivé dans un camp. Ça a l'air pas mal. Donc on va voir. Franchement, il nous a mis trop bien. Du coup, là, on est dans une petite table. Donc là, ils nous ont déjà ramené quelques trucs. Simon, il est allé faire sa prière. Je suis KO. Franchement, c'était une journée de fou. Maman aussi, elle est fatiguée. Ah, bah, il nous ramène d'autres trucs, là. Thank you.
Quoi, ouais, c'est à moi. Tu manges quoi, mon bébé? Avec ta main droite, celle-là. Avec cette main-là. Maman, tu peux te servir. Hein. Caïs, Naïl, Maïsabella, Simon. Là, maman, elle est contente, là. Dans le désert, avec ma néné. Là, elle est dans son élément, la néné, hein. Il faut qu'on ne vole pas avec mes cousins. T'en peux plus. Trop bien. T'es au bout de ta vie. Non mais c'est trop bien, maman. Mamie, tu montes avec nous derrière. Oh. Toi c'est juste. Tu vois pourquoi il veut que je monte derrière pour se moquer de moi. Mais non, c'est pas gentil. Mais non mais je veux aller avec toi. Où notre voiture? Allez, à demain. À demain, Marshall. À demain. Bon, les filles, journée de fou aujourd'hui. Regardez-moi les photos dans le désert là, avec Simon et les enfants. Et moi et ma maman. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Allô tout le monde, aujourd'hui réveil à 7h30 du matin. Là il est 8h, on va aller prendre un petit déjeuner et direction Abu Dhabi. Donc on est que entre filles. Simon il reste avec les enfants parce que enfin, clairement c'est vraiment pour ma mère. Parce que moi je suis déjà allée et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on va prendre le petit déjeuner et après direction Abu Dhabi. Mais savez là, viens. Mets-toi à côté de Mamie. Magnifique. C'est beau, hein. C'est trop, trop beau. Bon, franchement, c'est magnifique. Maman, tu trouves ça comment? Magnifique. C'est trop beau, mais il y a grave des restrictions. Là, alhamdoulilah. Mais ça. C'est super, trop beau. Super. C'est magnifique, cette mosquée. C'est vraiment un truc à voir. C'est tellement beau. Genre, t'en prends plein les yeux. C'est juste waouh. Par contre, il fait super chaud, mais Isabella, elle en peut plus. Va. Après la visite de cette magnifique mosquée, franchement, je vous conseille vraiment d'aller la voir. On est rapidement rentré à l'hôtel, on s'est changé, on a vraiment fait super vite parce que je devais me rendre au souk de Dera. Let's go for the trip, girl! Mais sinon, ça va, t'es contente, mamie, de tes vacances? Très contente. Dis la vérité. Attends, moi, je suis à Dubaï et je suis pas contente. Faut être bête quand même. Moi j'aime trop. Alors où est-ce qu'elle est? Cherche ma copine. Anaïs c'est notre guide aujourd'hui. Hein. T'es là depuis combien de temps à Dubaï toi?
ça va faire bientôt un an et demi. Ah non, non. Mais toi, t'as même pas les réseaux sociaux, Anaïs, hein? Non, tiens, viens pas. T'es anti-réseau, toi? Non, il faut que je passe. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans les... tu vois, dans les... Ici, soyez prêts à faire la négociation. Hein. Heureusement, moi, j'ai Anaïs, parce que sinon, moi, j'aurais craqué. J'aurais craqué. Mais Anaïs, elle négocie super bien. Franchement, elle m'a fait des prix. Et de toute façon, je vous montrerai les robes, mais elles sont trop canons. Franchement. Maman, mais par contre, lui, c'est un gros crevard. On rejoint papa là-bas. Oui, on y va là-bas. Vous vous faites grave avoir en fait. Ils font grave à la tête. Donc, faut être prêt à négocier. Il n'y a pas des prix fixes en fait dans les trucs comme ça. C'est même pas affiché. Les filles, du coup, on s'est changé rapidement parce qu'on va rejoindre Simon et les enfants du coup à la piscine de l'hôtel. Franchement, c'était trop bien. Merci encore Anaïs pour tous les bons plans. Et Maïssa Bella, ça a été un amour aujourd'hui. Hein, Maïssa Bella? Ouais. Elle est venue à Abu Dhabi, elle est venue à Dera, au souk et tout, et elle a rien dit. Non, franchement, un amour. Coucou! Vous êtes assis où? Regarde. Bah ouais, il a appris. Ah, tu stockes, il a pensé à venir. Bah ouais, attends, on est en vacances en fait. C'est vrai ou pas? Regardez Simon. Simon, il bronze même. Et voilà, t'es tout rouge. Tu verras après. Maman, regarde. Il est resté toute la journée avec les loulous et Naïl. Il s'est un petit peu nagé. Je suis trop, trop fière de lui. Maman, je l'ai forcé à venir à la piscine. Elle prend, on est en vacances, on reste dans la chambre. Bref, voilà, on est dans la piscine des loulous, quoi, parce que ça va bientôt fermer, là. Regardez-moi, alors, hein, si vous me dites de vous filmer. Naïl, Naïl, tu peux te bouger? Ouais. Une fois après ça. Allez, viens. Non. Allez, Kaï, viens pour moi. Hein? Mais t'es dans la piscine depuis ce matin, papa il a dit, Naïl. Hein? Demain? Allez, on va sortir, on y va, on va aller se préparer pour ce soir. Re tout le monde, journée de malade. Du coup là on est rentré, je me suis douchée, je me suis démaquillée. Donc j'ai réservé un restaurant pour ce soir. Je vous mettrai avec qui j'ai réservé. Franchement, elle est trop sympa et tout. Et du coup elle a pu m'avoir une réservation au restaurant. Donc voilà, là je vais me préparer. Je vais un petit peu me maquiller quand même. Moi aussi je vais me maquiller. J'ai la flemme mais franchement si quand même. On n'est pas toujours en vacances et tout. Donc voilà, je vais m'apprêter. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Là les enfants on les a déjà tous douchés. Je les ai pas encore habillés. Je vais choisir leur tenue après. Je me maquille. De toute façon là ce qui est trop bien c'est que j'ai demandé 21h30. Comme ça je sais que j'ai le temps et que je vais pas me presser. Voilà, à toutes. Et voilà les filles, un petit maquillage glowy en 20 minutes. Franchement j'aime trop. Eh, c'est calme hein. Franchement j'ai grave géré. Genre j'ai mis du nude au-dessus des yeux. Un petit peu de doré en dessous. Et sinon j'ai mis du highlight, du blush, un petit gloss. On est ready. Du coup, je vais aller m'habiller. Je vais d'abord faire les cheveux à Maïssabella. Ensuite, j'habille les enfants. Ensuite, je m'habille. Et après, il nous reste un peu de temps. Donc, je vais ranger la chambre, etc. Mais franchement, waouh, j'ai trop géré my make-up. Vous en pensez quoi? Franchement, j'ai grave géré. Ah, j'aime trop. Attends. Quand j'ai du temps, j'en abuse. Donc, bon, allez. Des cosmétiques. Bah c'est vrai. Re les filles, regardez-moi s'il vous plaît cette beauté. Je vous l'avais déjà présentée. C'est by Grassfield. Franchement, incroyable. Elle est trop belle. Simon, il kiffe quand je m'habille comme ça. Incroyable. Lui, il aime que quand je mets des robes comme ça. Mais j'avoue, là, je m'en suis grave achetée. De toute façon, je vous les montrerai. Yes. Peut-être pas ce soir parce que je sais pas si j'aurai le temps. La semaine prochaine, Charles. Je dois poster ma vidéo et tout. Mais franchement, je kiffe. Eh, vas-y, viens, on est bien ensemble là. Ouais, ça fait beau. Bingo. Yeah, yeah. Allez, vas-y, on y va. Let's go! Let's go to the party! Il est pas fort, hein?
Mais il fait quoi? Je sais pas. Naïl! Mais tu fais quoi en fait? Vous faites quoi quand vous allez là-bas? Viens. C'est un petit cadeau pour vous. Ça c'est pour toi, Caïs. Dommage que je n'en ai pas. Merci maman. Et ça c'est pour toi, Naïl. Merci maman. Vas-y, ouvre. Voilà. Ta bague. C'est maman, deux c'est... chaînes. Maman, ça c'est le corps de mon oncle. Tiens, c'est pour moi qu'on va trouver une chaîne. Non, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Maman, ça mais c'est à moi. Mais regardez cette merveille. Moi aussi j'en ai un. Regarde, Naïl, je te mets. Attends, mais c'est... Oh, c'est à moi. Maman, tu peux l'ouvrir? Non, non, et... Mais Sabina, c'est pas, je t'ai dit, il faut que je trouve le collier, c'est tout. Et Sabina, tu vas être belle, hein? Vous êtes content alors? Ouais, je suis content. Bon, ben, c'est cool. Allez, on y va. Pourquoi tu l'as fait court comme ça, lui? Bah, je sais pas, vas-y, on arrange. Ça filme encore. Allez, let's go. Allô, mamie. J'ai dit, ça fait du bien d'être à l'heure, de pas être pressé, tout ça, tout ça. Je te jure, dans le dernier vu l'heure, je pouvais pas être en retard. Mais non, mais j'ai fait exprès. Yes, it's me. Yeah. Hey, Naïl, c'est pas une tablette pour jouer, c'est pour le menu. Maintenant, t'as enlevé. Tu me fais peur pour les épinards. Thank you. Ça va nous donner. Qu'est-ce que tu peux attendre? Ils ont une tablette, on en a une en fait. Mais ça, regardez-vous. Papa? C'est beau, bébé? Tu aimes? Oui, oui. La petite Caïs. Merci. Caïs, quand il mange, quand il voit des frites, il pense qu'à lui. Attends, c'est moi. Venez là-bas, nous, on va partager. Donc. Non, mais une. Bah, si, c'est mon. Bébé, moi, j'ai pas mangé de frites. Bon appétit, maman. Merci à toi. Bon appétit. C'est bon, comme ça. Non, mais Caïs, tu peux pas manger. Extra salt. Ça mange. Non, j'essaie de ketchup and mayonnaise. Naïl, bon appétit mon cœur. C'est chaud. Bon appétit, on dit merci maman. Merci maman. Et maman, tu sais, quelqu'un peut aussi. Oui, ça va refroidir. Bon appétit, mais Isabelle là. Je vais te couper la bière, mais c'est bon. Naïl, le plus beau. Regarde-moi. Allez, maintenant, oui, ça peut là. Maintenant, mais là. Tous les trois. Naïl, ça va? Naïl. C'est bon, lève-toi, il a rien du tout. Il a rien du tout. Lève-toi, lève-toi. Naïl, viens pas. Il a rien. Ça, non. C'est bon, je rigole. Naïl, pousse-toi. Je rigole, Naïl. Pourquoi tu fais des blagues? Pousse-toi, sors, va là-bas. Naïl, pousse-toi, s'il te plaît. Après, on fait tous les trois. Viens, Ningal. D'accord? Naïl. Naïl, sors du cadre. C'est bon, t'as vu ce qu'il a fait, quoi? Ouais, il me gonfle. J'essaye, hein, mais après, je ne sais pas filmer. Hein. Je vais faire avec les trois. Hein. C'est mon film. Hein. Bien, après, moi, des fois, Allez. C'est bon. Moi, je fais comment? Naïl, viens. Oh là là. Naïl. Il est sous l'air, lui. Naïl, viens, toi, Naïl, toi, si tu vas faire la photo, tiens. Naïl, viens, toi, si tu fais la photo, tiens. Viens, tu fais la photo, tiens. Je te prends, tu fais. Va, tu fais la photo, tiens. Non, celui-là. Tiens, attends, je te montre. Non, mais c'est juste qu'il meurt, en fait. Respecte-moi. Vous êtes prêts? J'ai souri. T'as pas fait, tu sais même pas faire. Attends, il fait. Vas-y, fais-moi, Naïl. Fais-moi une photo. Attends. Il sait même pas faire. Vas-y. T'es nul. Vas-y, Naïl. Mais c'est mon téléphone. Ma femme. Oh, mais vous n'êtes pas gentil. Moi, j'ai filmé n'importe quoi à cause de toi. Non, s'il te plaît. Dis Mamie. Maman, va sentir toi. Toi, t'aimes bien papa. Vas-y. Moi, j'aime pas ces fois.
quoi, je vais rien dire. Mais il est pas prêt d'être amoureux de sa mère. Regarde comment il me regarde avec ses yeux d'amour. Il a pas besoin de regarder comme ça. Mais non, tiens. Donc là, on a ma petite team. Caïs, ouais. Naïl, N, ouais. Maïsabelle. Ah. Regardez ces colliers de qualité. Et encore ce collier, c'est de qualité. Allez, venez. Maman, je prends de la petite. Maïsabelle, venez. Go. Naïl, t'as fini de lire ton livre? Franchement, c'est bien. Hein. Voilà, depuis tout à l'heure, tu lis. Je suis fière de toi. Allez, mon fils. Il range. Caïs. Oui. Franchement, Naïl, voilà, je suis fière de toi. Tu ranges tes chaussures. Ah, t'es comme ta mère, voilà. Bravo, Naïl. Tu fais pas un bisou avant le dodo? Tu fais pas un bisou à ta chérie, l'amour? Moi, je t'aime. À demain. Bah, nani, bébé d'amour. Oh, il est trop chou. Bon, les filles, du coup, on est rentrées. Eh, franchement, je commence à m'y faire à cet appartement. Je crois que je vais avoir trop du mal à bouger. Franchement, c'était trop cool. J'ai fait toutes mes prières, donc là, je suis à jour. Je vais me poser un petit peu sur la terrasse avec Simon et ma mère. Et demain, grosse journée. Moi, j'ai pas envie de coquer. Moi, je bois de l'eau. Franchement, faut que je bois de l'eau. Faut que je bois de l'eau parce que là, j'ai trop bien mangé ce soir. Günaydın, je connaissais déjà parce que c'est turc. À Istanbul, il y avait grave, mais c'est tellement bon. Mais par contre, les filles, celui où on est allé là. Simon, où on est allé, ça s'appelle comment? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est à côté, en face de Dubai Mall. Eh, les prix, vous êtes pas prêtes. Franchement, c'est trop cher. Vraiment, c'est grave cher. Alors, si vous voulez vraiment profiter un soir de la vue et tout, nanana, la viande, elle est super bonne, mais c'est cher. Hein. Franchement, nous, on s'attendait pas à ça parce qu'on a l'habitude des prix de Istanbul, en fait. Et là, je pense que tu payes, ben, du coup, le fait que t'es à Dubaï, mais également, ben, la vue et tout, vu qu'il y avait les fontaines et tout. Bref, 36-15, my life. Hi, Case. Bonne nuit. À demain, bébé. On se voit demain. T'es triste? Bah, c'est qu'il est super tard, Kaïs. Hein. Oui. Il est minuit. Oui, mais moi je voulais lire le Coran avec papa et toi. Kaïs, tu voulais lire le Coran, franchement. Bah oui, mais non, mais vraiment, je suis sérieux. Ok, tu voulais juste rester, à mon avis, mais bon. C'est ok si tu le dis. Donc voilà, j'allais me poser tranquillement et je vous dis à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est préparé en rapide parce que du coup, aujourd'hui, grosse journée. Donc voilà, là on va prendre le petit déj et ensuite on va se préparer. C'est parti. Let's go. Donc nous nous sommes rendus à l'Atlantis, c'est un grand hôtel où il y a un grand aquarium, il y a également un parc aquatique, de toute façon je partage tout ça avec vous. C'est parti. Voilà Madame Sassi. Maman et papa, allez, allez, on y va. Ça dépend lesquels. En Tanzanie, nous on en a touché dans les mains, il n'y a pas eu de problème. Ça, ils ont rajouté, il n'y avait pas quand j'étais venu là. Ça, c'est dingue. Waouh. C'était trop beau. Ah bah de rien. Et en plus de ça, maman, je pense que moi bah, j'ai appris des nouvelles choses. Oh maman, tu peux me... Après avoir visité l'aquarium, on s'est tous changé direction le parc Aquadventure, donc qui se trouve dans l'Atlantis. C'est un grand parc aquatique. Comment vous dire, franchement, il est trop bien. Les structures, il y a pour les enfants, pour les adultes, il y a vraiment pour tous les âges. Franchement, celui-ci, je vous le conseille. Si vous venez à Dubaï, il faut que vous alliez là-bas.
Ensuite, les enfants, donc Naïl et Maïsabella, sont restés avec mamie. Ils ont fait une grosse sieste. Et pendant ce temps-là, avec Simon, on a pris Caïs pour pouvoir faire les plus grands toboggans et tout. Ah là là. Et franchement, c'était trop, trop bien. C'est bon, Caïs, c'est bon. Non. Inch'Allah, là, ça va le faire. Non. Alors les enfants, vous êtes bien amusés? Naïl, Naïlou, tu t'es bien amusé bébé? Et voilà, journée au top, franchement c'était trop bien, merci, éclaté, comme une enfant et tout, c'était trop bien. Là on rentre, on va se doucher et après on va aller manger au mall, comme ça on pourra se promener là-bas et tout. Mais voilà, c'était trop cool. Et toi Caïs, c'était bien? Non, je suis incroyable, j'ai trop mal à pire. Ouais, toi aussi je leur ai montré tout. C'était cool. Y'a pas d'autre. J'ai fait des vidéos. Je pourrais te montrer. Y'a pas d'autre. Oh non, on est comme ça. C'était bien. Ah mais grave, franchement. Eh, on était comme des enfants, c'était trop bien. Bye bye l'Atlantis. Bye bye Atlantis. La bonne nouvelle, c'est que demain, ce sera encore plus. Genre on va faire encore plus. Bah on va aller dans l'autre, pas celui d'ici. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Allez Naïl, fais attention. Tu l'as vu ce mot? Ouais. C'est bon, il y a le chauffeur, let's go. Venez. Il est là? Tu regardes le dos, c'est moi? Ouais, c'est celui d'habitude. Et voilà les filles, du coup on s'est préparé rapidement avec les loulous et là direction le mall. Surtout aujourd'hui bah, c'est pas la famille hein. On s'est tous habillés en black. Black one. Bon du coup là on est au Dubai Mall hein. Ouais mais tous les magasins étaient fermés. Là on va un petit peu se promener, après on va chercher quelque part où manger. Et voilà quoi. De moi c'est quoi mon numéro s'il te plaît? À qui? C'est quoi le numéro? Le Turc. Là on se promène. On est à Louis Vuitton, franchement c'est calme. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas en France. Pas d'intérêt qu'à faire. Ouais bah oui. Là c'est des... Regardez ma tenue s'il vous plaît. J'aime trop, aujourd'hui on s'habille tous tout en noir. J'ai fait un make-up tout léger. Mon foulard grâce au foulard que je mets en dessous de Siam. Et ben ça tient, je peux mettre ça. Avant quand je mettais ça c'est mort, mon foulard il part en 2 secondes. Et là du coup je kiffe. Franchement j'aime trop. Regardez les lunettes que j'ai trouvées. J'ai eu un coup de cœur. Elles sont trop belles. Que j'ai pas quoi? J'ai encore jamais laissé de lunettes de soleil dans la vie. Mais parce que j'en mets pas aussi. Alors que mes lunettes, en fait, mon problème, c'est que je les pose là tout le temps, tu vois. Mais de toute façon, si ça va pas, je le prends pas. Ça faut prendre. Ah oui, les lunettes, je vais les prendre. Ça prend du temps pour payer les lunettes et tout. Au pire, sinon, vas-y, moi, en attendant, je vais... Je vais régler, donne-moi la carte. C'est elle qui est normal. Elle va voir que t'as mis après. Caïs, il goûte parce qu'il nous a demandé une paire de chaussures à 1200 balles. Celle-ci. Je lui ai dit qu'il faut qu'il travaille dur et quand il pourra se l'acheter. Parce que moi, tant que j'existe en tout cas, pas avant. Tu l'as acheté. Mais avant combien on va la tienne hein? Oui, bah moi c'est mon argent, Caïs, en fait. T'es drôle, toi. T'as vu un enfant de ton âge avec des chaussures comme ça? Ça va pas ou quoi? J'ai pas de pièces, Naï. Oh là là. Peut-être c'est pour me draguer. Tu vas me draguer?
Bon, après, on s'est finalement retrouvés au KFC. Je vous avoue que j'étais choquée parce qu'en fait, tous les restaurants dans le mall, ils ferment à minuit. Il me semble que c'était minuit et du coup, on n'avait plus le choix. Le KFC, il allait fermer. C'était le seul truc d'ouvert. Donc, on a fini au KFC et ensuite, on a attendu notre chauffeur pour rentrer à l'hôtel. Et du coup, je vais m'arrêter à là pour la première partie de nos vacances à Dubaï, sinon la vidéo elle allait être beaucoup trop longue étant donné qu'on est resté 9 jours. Donc je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo en espérant que cette vidéo vous aura plu. Bisous!